Bonjour à toutes et à tous, c'est Aito, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour dans Skyrim pour la suite des aventures d'Alia. Et on est de retour à Blancherive. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai dû vendre mon matériel, mon surplus d'inventaire. Et je vais maintenant devoir me remplir les poches avec des gemmes spirituelles. Donc je pense retourner voir Farangar, le mystique du Jarl de Blancherive. Car je pense que l'épreuve qui m'attend risque d'être assez, assez difficile. En termes de quête, on doit retourner voir Savosaren, donc l'archimage de Fort Divers. On le fera juste après avoir consulté le mage de la cour de Blancherive. En espérant qu'il ait des gemmes spirituelles contenant des âmes à me vendre, ce serait cool. Comme ça, je pourrais utiliser mon bâton de boule de feu à foison, ce qui serait une très bonne chose. Car je vous avoue que j'ai une petite crainte concernant Alia. J'ai peur que son niveau de puissance magique soit un petit peu trop faible pour la quête à venir. Alors, où est Farangar? Où se cache-t-il? Il est juste ici, bonjour. Venez à Fort Dragon et nous discutons. Il semble que ce maudit conflit déchaîne toutes les... Qu'est-ce que vous avez à vendre? Autant pour moi. J'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci. Je le suis, bouffon. Je suis mage. Alors, divers. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Elle est vide, vide, vide. Oh. Niveau sublime pour 1436 pièces d'or, ça fait cher. Mais bon, magistral, ça me garantit le remplissage complet de mon bâton. Là, j'ai une gemme spirituelle ordinaire. Pour le prix, ça va. Là, j'ai une majeure. Hop, on va dépenser tout notre argent, j'ai l'impression. Voilà. Je pense que j'ai fait le plein. C'est plutôt pas mal. N'oubliez pas que l'esprit est votre meilleure arme. Merci du conseil, l'ami. Allez, on sort d'ici et du coup, on va se téléporter directement à Fort Divers. On va aller parler à l'archimage et on va voir ce qu'il va nous apprendre. Qu'y a-t-il, impérial? Je suis aussi nordique que les autres, mais je ne suis pas idiot. Ah, le soleil brille à nouveau. Ça fait plaisir. Allez. Je vais quand même vérifier mon stock de potions. Est-ce que j'ai suffisamment de potions de magie et de potions de... de vie, tout simplement. Soins, j'en ai 3. Soins légers, j'en ai 1. C'est pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de stock. Hein. Potions de magie, j'en ai 1. Magie légère, j'en ai... ça fait 2. Ça pèse pas lourd dans la balance. Je vais quand même aller jeter un œil au chaudron d'Arcadia. Peut-être aura-t-elle quelques potions utiles pour moi à me vendre. Vous trouverez ce que vous cherchez, ça ne fait aucun doute. Sinon, demandez-moi, je l'aurai peut-être en réserve. Vous avez l'air pâle. Ça pourrait être la taxie. Ça fait des ravages chez moi en Cyrodiil. Oula. D'accord. Alors, elle m'indique que je suis malade. Du coup, je vais prendre directement une petite potion pour remédier à ça. Potion médicinale, allez. S'il vous faut un remède, revenez quand vous voulez. Voilà. Excusez-moi, mais ne serait-ce pas un cas d'atonie? Attendez, j'ai quelque chose pour soigner ça. Ah, vous êtes donc alchimiste? Alors, est-ce que tu me vendrais des potions de vie, toi? Potion de magie légère, résistance au feu, à la foudre, à la glace, potion de santé, potion de soins, et bien voilà. Potion de soins léger, parfait, je prends les 6. On pourrait se prendre également des potions de résistance au feu, à la foudre et à la glace. Potion de magie légère, il me reste plus d'argent du tout. Je prends un gros risque, mais bon, je pense qu'on va se refaire rapidement.
Bonne journée. Merci à toi aussi. Allez, ou attention le feu. Très bien, en route vers Fort d'Hiver du coup. Je vends des fruits. Alors, on va se téléporter directement. Voilà, à l'endroit qui nous est indiqué par le marqueur, Académie de Fort d'Hiver. Et c'est parti. Et on arrive de nuit, j'ai vu passer un ennemi. Peut-être un dragon. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais devoir m'en occuper. Ok, il y a bel et bien un dragon dans le coin. Bon, ils ont pas l'air d'être trop stressés, les gens d'ici. Belle nuit étoilée, quand même. Je tiens à le souligner. Qui est là? Allons retrouver Savosaren. Oula, qu'est-ce qui se passe? Savoir ce que c'est. Je veux couper des sentiers. Je veux savoir ce qui fiche ici. Oh, il y a du grabuge par ici. C'est parce qu'il trafique. Il ne s'en tirera pas comme ça. Que se passe-t-il ici? C'est en canot. Il est à l'intérieur et il fait quelque chose. Nous ignorons quoi. Nous essayons d'entrer en ce moment même. Il le paiera de sa tête, je vous l'assure. Aidez-moi à éliminer cette bête. On lui jette tout ce qu'on trouve à portée de main. Retournez voir en canot. Comment tu veux que je rentre là-dedans, moi? C'est parce qu'il trafique. Il ne s'en tirera pas comme ça. Je sais où trouver le bâton de Magnus. Ce n'est pas le bon moment. Nous devons mettre un terme à cette comédie. Ok. On va aller lui parler, du coup. À cet elfe démoniaque. Cette personne est occupée. Je ne peux pas lui parler, du coup. Je peux la cramer, non? En canot, arrêtez immédiatement, c'est un ordre. Ne vous approchez pas de lui. Oh la vache! Ça va? Vous pouvez marcher? On s'est fait sonner là. Levez-vous, on a des ennuis ici. Je crois que ça va. En canot est en train d'utiliser cet objet, cet œil. On ne peut pas l'arrêter. Je n'ai pas vu Savos depuis l'explosion. Il est peut-être blessé. Il faudrait que vous trouviez l'archimage, et vite. Allez, dépêchez-vous. Que s'est-il passé? Ça va aller. J'ai juste besoin d'une minute pour reprendre mon souffle. Trouvez Savos. Ok. Oh la pauvre. Je ne sais pas où peut se trouver l'archimage. Ok, il faut que je sorte d'ici. Oula. Je trouverai les coupables. Vous allez bien? Que s'est-il passé? C'est en canot. Il a fait quelque chose à l'œil. Oh là là, zut. Il y a un dragon. Faudrait qu'on arrête de parler, Coco. Mais ce n'est pas tout. Il y a une urgence, là. Quelque chose à Fort d'Hiver. Il n'y a pas de monde à plus. Bon, il faut que je passe les... les dialogues, parce que là, il y a urgence. Allez. Allez, c'est bon, meurs. Parfait. Hop, on prend les petites écailles de dragon. Attention, ne vous approchez pas trop. Allez, on absorbe son âme. Ok, donc lui, il est venu perturber la fête. Et là, je vois que... Oh, Savosaren est mort. Mort. L'archimage est mort. Oh là là. Ok.
Ok. Qu'est-ce que je dois faire? On va jeter un petit coup d'œil sur les quêtes. Alors, état d'urgence, protéger Fort d'hiver. Protéger Fort d'hiver de quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Il y a eu un problème et Fort d'hiver est peut-être en danger. Vous pouvez m'aider? Pourrait être en danger? Regardez, je crois que c'est une certitude maintenant. Allons-y, il faut faire quelque chose. Venez, Arniel, allons-y. Il le faut vraiment? Il ne lèverait pas le petit doigt pour nous. Ok, qu'est-ce qui nous attend? On va aller voir ça ensemble. Avec mes deux acolytes, là. Oh la vache, c'est quoi ça? Éliminer les créatures qui ont envahi Fort d'hiver. Allez, c'est parti. J'espère que ça craint le feu. Ah, vous ne pouvez pas passer par ici. Avantage tactique. Pas vraiment l'impression de leur faire de gros dégâts. Allez. Ça leur fait pas grand chose non plus. Anomalie magique. Ça va, Alia encaisse plutôt bien les dégâts. J'ai presque plus de magie, attention à moi. Ok, je suis à court de magie, on va prendre le bâton. Allez, on va voir si je peux leur faire plus de dégâts avec ça. Oh, elles arrivent à monter quand même, attention. Allez, allez. On est à 5 sur 10. On vient d'éliminer la moitié. Allez, allez. Ok, encore une de moins. Allez. Que deux. Et je n'ai plus de magie. Malheureusement, on va devoir recharger cette arme avec une gemme ordinaire. Voilà. Ça m'embête un petit peu de gâcher mes munitions, mais j'ai pas trop le choix. Ok, c'est bon, on les a quasiment tués, il n'en reste plus qu'une. Ah zut, attention, pousse-toi. Ça fait des dégâts de glace. Ouh, c'était chaud. Ok. Alors, on va looter les restes fantomatiques. Et on trouve des gemmes spirituelles intéressantes. Ouh, je me refais là en termes de gemmes. Ok, il y en a encore ici. On va tout looter, comme ça on sera tranquille. Voilà, il y en a encore une là-bas. Ouh, j'ai fait le plein de gemmes spirituelles là. Ah, je suis très content. Je vais faire un petit point. Voyons voir combien j'en ai récupéré. Alors, niveau mineur, insignifiant, magistral, ça c'est ce que j'avais acheté. Ouh, gemmes spirituelles noires de niveau sublime. De l'ordinaire, du commun. Ouh, pas mal. Vraiment pas mal, je suis assez satisfait de... de mon butin, là. Alors, on va retourner voir Mirabelle. Qui, j'espère, n'a pas rendu l'âme, elle aussi. Alors, on va courir un petit peu.
Alors, la situation à l'académie n'est vraiment pas terrible. Avec un Encano fou furieux qui est en train de manipuler l'œil de Magnus, je ne sais comment. Alors, la salle des éléments. Où est Mirabel? Elle est ici. Eh bien, tout va bien là-bas? Fort d'hiver est en sécurité pour le moment. J'aimerais pouvoir en dire autant pour nous. Tolfdir et moi pouvons essayer de le contenir. Mais vous devez mettre la main sur le bâton de Magnus. Et vite. Vous pensez vraiment que le bâton va aider? On vous a demandé de le retrouver, non? Si ce qu'on dit sur ce bâton est vrai, s'il est vraiment capable d'absorber une immense quantité de puissance, peut-être pourrons-nous stopper la magie d'Encano. Mais pourquoi moi? Je dois rester ici pour savoir si nous pouvons arrêter Encano. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour cette tâche. Du reste, c'est vous qui avez ces visions, pas vrai? C'est vrai. Alors je file au labyrinthe. Quoi? Vous croyez? Le bâton se trouve là-bas? Ça ne peut pas être une coïncidence. Je ne comprends pas. Quelle coïncidence? Savos, avant sa mort, il m'a donné quelque chose il y a quelque temps. Il m'a dit que ça venait du labyrinthe et que je saurais quoi en faire quand l'heure serait venue. Je pense qu'il voulait que je vous le donne. J'ignore pourquoi, mais ça semblait vraiment lui tenir à cœur. Je pense que vous devriez aussi prendre cette amulette. Elle appartenait à Savos, mais je crois qu'elle vous ferait le plus grand bien à présent. Prenez-le et partez d'ici. Rapportez ce bâton avant qu'Encano ne fasse s'effondrer l'académie sur nous. Ok. Alors, amulette de Savos Arène. On va voir un petit peu ce qu'il m'a donné. Non, c'est dans tenue. Amulette de Savos Arène. Magie plus 50 quand même. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Du coup, on va l'équiper. L'amulette de Goldur, enfin le fragment m'apporte 30 points. Là, je gagne 20 points bonus en magie. Ce n'est pas négligeable. Oh, elle s'est vite remise sur pied, elle. Ok. Si nous ne sommes pas capables d'arrêter tout ceci, qu'adviendra-t-il du reste de bord de ciel? Bon, l'autre, il est en train de péter un câble avec sa boule, là. Ok. Allez, on ressort. Et on va essayer de trouver le labyrinthe. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous pouvoir sauver l'académie? Oh, la voix détestable. C'est insupportable, ta voix, madame. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous pouvoir sauver l'académie? Ça, c'est pour vous, ça. Exprès. Alors... voyons voir. On va faire un petit point carte et on va voir où se trouve le labyrinthe. Et puis je pense qu'on va s'y téléporter si jamais je l'ai découvert. Oh, il reste encore. Attention, il reste encore un monstre là. Ça sort d'où ça, anomalie magique? Pourquoi elle est encore là celle-là? Je croyais qu'on les avait tous abattus. Il en recrée, c'est ça? Allez, allez. Allez, il faut que tu meurs. Allez, meurs, péris dans les flammes. Voilà, parfait. Et donne-moi une petite gemme spirituelle. Merci, de niveau commun. Ok, très bien. Voyons voir mon niveau de bâton. Voilà, on va le remettre quasi à fond. Histoire d'être tranquille. Que j'avais déjà fouillé ça, oui. Très bien, donc est-ce que j'en profiterai pas pour vendre peut-être les ossements de dragon? On va voir si elle est capable de me les acheter. Ce serait cool, parce que ça pèse lourd dans le sac. Je vends de tout, si ça vaut le coup. Souvenez-vous-en, d'accord? Pourquoi avoir installé votre boutique ici? J'y ai été contrainte. Je n'avais pas vraiment le choix. Ranmir et moi avons grandi ici. Et il dépense quasiment tout ce que je gagne à la taverne. Sans argent pour déménager,
Je me suis mise au commerce. Les affaires vont bien ici ? Très drôle. Vous aurez sans doute remarqué qu'il n'y a pas foule à Fort Hiver. Je vends tout ce que je peux. Je mets un prix à la moindre babiole. À la prochaine. Ok, donc elle, on peut rien lui vendre du coup. C'est dommage. Eh bien, je suis contraint de retourner à Blancherive, hein. J'ai pas trop le choix. Si je veux vendre des trucs. Alors, on va faire l'aller-retour rapidement. Via la téléportation, ça ira très très vite. Et moi, je dois me rendre ici dans le labyrinthe. Et le labyrinthe, bonne nouvelle, je l'ai sur ma carte. Donc ça, c'est excellent. Alors, on va faire un petit crochet à Blancherive vite fait. Alors, on va aller voir Bellator, qui devrait pouvoir m'acheter mes autres dragons et mes écailles de dragons également. Alors, on va aller voir ça. Prenez votre temps, je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, demandez-moi, je l'aurai peut-être en réserve. Ok, c'est noté. Tout est à vendre. Des babioles, des petites choses. Alors, moi, je veux te vendre mes ossements de dragon. Ils pèsent très lourd et rapportent pas mal d'argent, mine de rien. Voilà, là, on est bien. Les potions, je vais les conserver. Ici, amulette de Zénithar, ça, je garde. Casque d'acier à cornes, je te le vends. Bon, bah voilà, nickel. Revenez donc. Mais j'y compte bien. Allez, on ressort de Blancherive et on va aller voir ce qui se passe du côté du labyrinthe. Alors, le labyrinthe est ici. Par contre, il fait nuit. Et nous sommes devant le fameux dédale. C'est assez angoissant niveau ambiance. Alors déjà, on va équiper le bâton. Et je vais peut-être en profiter pour passer la nuit. Il est 11h du soir. On va passer 12h. Ok, je vais en profiter également pour voir mon niveau de santé. Ok, je n'ai pas de malus, donc tout va bien. Allez, on avance. C'est vraiment quelque chose d'assez imposant. Regardez-moi ça un petit peu, cette architecture de fou. Oh, attention! On a du Yeti! Du troll de glace. Et il n'y en a pas qu'un, j'ai l'impression. Allez, on va se le faire. Oh, attention, vite, vite, vite! Vite, saute! Ça, c'est pas cool du tout. Je l'ai loupé. Normalement, ils craignent le feu, donc je devrais pouvoir m'en défaire rapidement. Il est où? Il est là. Allez, hop. Là, je suis obligé de fuir, hein, parce que... Allez, meurs. Ok, j'en ai tué un, et j'en ai vu un deuxième. Donc, je vais devoir rester sur mes gardes. Il y a quoi là-dedans? Il y a des choses à récupérer peut-être. Ouh. Missive du voyou. On va lire ça.
Ça semblait un boulot facile. Groz et moi en avons déjà accompli des tas dans le même genre. Un Breton pétochard veut des gardes du corps pour l'escorter dans les montagnes. Pas de problème, ça nous va. Évidemment, il a parlé de ce masque maudit deux fois pendant tout le chemin. On a bien rigolé quand Groz l'a pris et se l'est mis sur le visage. Pourtant, le type a menacé de nous virer rien que pour ça. Bon, il a vite compris que c'était pas bien malin de se retrouver tout seul dans cet endroit, et il a vite fermé son clapet. Du coup, on est resté pendant que lui, il marmonnait dans sa barbe en parcourant des feuilles de papier, presque sans se rendre compte que Groz et moi, on a dû se débarrasser de 10 trolls puants, rien que pour lui permettre d'arriver là-bas. Et lui, sans prévenir ni rien, il s'est mis le masque sur la figure et pouf, il a disparu. Je pouvais lui serrer son cou de poulet l'instant d'avant, et une seconde plus tard, il n'était plus là. Ok. Après un moment, on savait pas quoi faire, et Groz a commencé à ramasser son matériel pour rentrer chez elle. Quand il est revenu d'un coup, pouf, ce fichu masque à la main. Il nous a supplié de rester, disant qu'il avait besoin qu'on l'attende, et que c'était pour ça qu'il nous payait. Il a remis son masque et il a encore disparu. J'avais déjà vu des capes qui permettaient de devenir invisible, mais là, c'était pas pareil. J'ai balancé des coups de poing à l'endroit où il se trouvait, mais il n'y avait rien à cogner. Il est réapparu et nous a dit qu'il avait encore besoin de temps, et qu'il fallait qu'il comprenne quelque chose à propos d'autres masques. Puis il a encore disparu. Ça, c'était hier, et j'en ai assez de me tourner les pouces et de m'écrire à moi-même. On s'en va au lever du soleil, et s'il se montre encore, je jure de lui planter cette dague dans le ventre pour qu'il reste tranquille. On gagnera plus de butin sur son cadavre que ce qu'il pourra nous payer vivant. Mais on ne touchera pas au masque. Qu'il reste ici à moisir avec ce type et les trolls. D'accord. Masque de bois. Alors, c'est quoi ce masque ? Masque de bois. Le masque de bois vibre d'une énergie inhabituelle. D'accord. On va l'emporter avec nous. Très intéressant. Hein. J'ai bien fait de passer par là. Je pense que avant de rentrer dans le labyrinthe, je vais fouiller les alentours. Tout en faisant attention aux trolls qui pourraient s'y trouver. Alors, où est-ce qu'il se cache? Il est là-bas. Allez, on y va, il y en a encore deux. Allez, prends ça. Essaye de le tuer rapidement. Ok, c'est bon. Encore de la graisse de troll. Et on va aller se débarrasser du dernier, comme ça on sera tranquille. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est droit devant. Je ne l'aperçois pas. Je l'entends par contre. C'est assez flippant. Où il bouge? Il bouge. Attention. Il arrive. Allez, viens par là. On va prendre un petit peu de distance quand même parce que je vais prendre aucun risque. En tout cas, ce bâton de boule de feu est terriblement puissant. Je suis vraiment très content de l'avoir trouvé. Oh, attention. Du coup. Je vais le tuer à la magie, puisque de toute façon, j'ai pas trop le choix. Mon bâton est totalement déchargé. Alors. Arme. On va utiliser une gemme ordinaire. Voilà. Et encore de la graisse de troll, très bien. Par contre, je vais équiper un sort de guérison en main gauche. Voilà. Ce sera un peu plus prudent. Alors, par là-bas, j'avais vu des choses intéressantes. Ici, il n'y a rien, mais par contre, dans ce bâtiment-là, voilà, il y avait une urne avec de l'or et un rubis, très bien. Par là, on n'a rien du tout. Ouais, je pense que je vais prendre vraiment le temps de looter
le labyrinthe avant de pénétrer à l'intérieur. Je pense que c'est une bonne idée, on a déjà trouvé un masque en bois assez chelou. Par ici, encore des urnes. Ok, on ne peut pas monter plus haut. Un petit peu d'or par-ci par-là, c'est toujours bienvenu. Hein. Alors, par ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit point d'intérêt dans le labyrinthe à trouver. Je dis pas non. Alors. Je vais prendre le temps de bien fouiller. Oh là, nous avons une entrée. Valkyk perdu, nouvelle découverte. Ok. Ça m'intéresserait d'y rentrer, mais je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode, les amis. On va s'arrêter là pour celui-ci. J'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur GameFun pour de nouvelles aventures. Restez connectés. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien, et à plus tout le monde! Allez, ciao !